Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission spéciale du Parvis politique du jeudi 13 juin 2024. C'est une émission spéciale parce qu'on commémore le départ, le décès d'Yvon Picotte, qui était co-animateur à Radio Infocité. Je permettrais de dire, je sais qu'Yvon était croyant, je me permettrais de dire qu'Yvon a été échangé dans une autre ligue. Il est rendu dans d'une ligue supérieure. Et c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, premièrement, on va recevoir des gens qui l'ont bien connu, mais tout d'abord, on va vous faire entendre le témoignage de deux co-animateurs qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, deux co-animateurs qui ont travaillé avec lui là, à Radio Infocité. Il s'agit de François Saint-Louis et puis de Éric Guay, les deux l'ont connu. Alors, on va écouter ça, puis après ça, on va venir avec d'autres invités qui ont bien connu Yvon. Alors, on va écouter la petite vidéo. Bon, ben bonjour, bonjour messieurs, bonjour Éric, bonjour François. Bonjour Luc, bonjour Eric. Ouais, ben c'est ça, je tenais à commencer l'émission avec deux collaborateurs. On va recevoir après ça des gens qui ont été impliqués en politique, puis l'ont bien connu, là. Mais nous, on l'a connu un peu moins. Mais quand même, je trouvais ça important qu'on parle un peu de l'expérience qu'on a eue avec Yvon Picotte à Radio Infocité. Moi, Yvon Picotte, j'ai trouvé très généreux. J'étais ami Facebook avec lui. Et à un moment donné, j'ai écrit, est-ce que seriez-vous intéressé à venir faire de la radio avec nous? Je ne le connaissais pas plus que ça. Et il avait accepté. Et là, François, là, on l'a eu à ton émission de façon assez régulière. Et c'était une source d'informations incroyable. On regrette un peu qu'il soit disparu parce que je suis sûr qu'il y avait encore beaucoup de choses à révéler des dessous de la politique. François, qu'est-ce que tu as pensé là? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience avec Yvon Picotte? Ben, j'ai trouvé, tout d'abord, j'aimerais quand même souligner que Yvon Picotte a été pour nous un apport de réflexion assez extraordinaire, hors du commun, parce que, Yvon Picotte, on a tous, même avant qu'il soit ici à Radio Infocité, moi, je percevais qu'il était un gars du peuple. Et que sa réflexion en tant que politicien ou analyste, parce qu'il n'était plus politicien, était extrêmement important pour nous parce que, il a été au Conseil des ministres, non pas du Parti québécois, parce que tout le monde sait que je suis un ardent souverainiste, mais Yvon Picotte était un ardent nationaliste. Et il faisait partie du gouvernement de Robert Bourassa. Et il a traversé le temps avec ce gouvernement et je dirais, des moments historiques. Hein, on le sait, la venue du Parti québécois, il a été dans l'opposition quand René Lévesque a pris le pouvoir. Et il a vécu aussi toute l'époque du lac Meech. Donc, il a eu une contribution assez extraordinaire. Et tu me disais, Luc, vers le mois de décembre dernier, 2023, qu'il était malade. Et on a respecté, évidemment, on a respecté le cheminement de sa maladie. Mais le temps qu'il a été avec nous, il était avec nous à peu près un an de temps. Je trouve que ça nous a fait découvrir un aspect du gouvernement de Robert Bourassa très nationaliste. Et moi, je suivais beaucoup de la politique dans ce temps-là quand même si j'étais très jeune. Mais ça, toutes les explications qu'Yvon Picotte nous a données ont prouvé que Robert Bourassa était un nationaliste et un anti-Trudeau avant tout. Et Oui. ça, il nous l'a confirmé. Et je pense qu'Yvon Picotte, pour moi, a été un des meilleurs ministres du gouvernement Bourassa, et on a souvent comparé Yvon Picotte à Jean Garon, et avec raison. Et Jean Garon a été un des meilleurs ministres du gouvernement Lévesque. Donc,
Puis un ministre très, très proche du peuple, un politicien très près du peuple, qui fait en sorte, ce qui fait en sorte que, avec, puis il y a pas, c'est pas pour rien qu'il a traversé le temps en gagnant son comté. Et je pense qu'Yvon Picotte, pour moi, est un grand monsieur, un excellent politicien, mais un homme de cœur avant tout. Oui, c'est ça. Dans ce que tu mentionnes, c'est sûr que Robert Bourassa, bon, il y avait des indications, on disait qu'il était proche de René Lévesque, on disait que c'était un nationaliste, mais je veux dire, on le croyait plus ou moins, là, tandis que là, on a eu vraiment le témoignage de quelqu'un qui était proche de Robert Bourassa, qui nous a confirmé qu'effectivement, qui faisait partie de l'aile nationaliste et qui donnait... comme Yvon nous disait, c'est qu'il n'était pas nombreux dans l'aide nationaliste du Parti libéral, mais qu'il y avait toujours l'écoute de Robert Bourassa. Éric, qu'est-ce que tu as retenu de ton... Moi, j'ai retenu, c'est quelqu'un de cœur, quelqu'un de parlable. Puis j'avais fait un peu de recherche, puis j'ai vu dans ses vidéos là, du temps des reportages qui citaient que quand il avait tombé ministre dans le temps de Robert Bourassa, la sécurité, les agences de sécurité des ministres, ils étaient venus le voir pour dire hey, va falloir que tu mettes ta ligne privée puis tout. Puis ils avaient viré de bord en disant non, non, ma ligne, c'est mon numéro de téléphone. S'il y a du monde qui veut m'appeler, ils m'appelleront. Ouais. C'est pas parce que je suis ministre que je serai plus rejoignable. Ouais. C'était vraiment quelqu'un qui écoutait le peuple puis qui était attentif. Puis. Ah, il a fait 5 ministères, là, à un moment donné, là, agriculture, pêcherie, en tout cas, il avait vraiment un peu touché à tout. Là. Tout ce qui était, là, en plus, c'était tous des ministères là, très contemporains. Oui, des ministères, c'est ça, qui touchaient l'agriculture, ça touche de près les populations. À la fin de son mandat, il s'est quand même impliqué dans l'ADQ, quand l'ADQ s'est créée pour monter ce parti-là. Tu vois, c'est quelqu'un qui voulait plus, puis qui voulait la discussion à travers le peuple, puis aller chercher les informations, mais des personnes même, pas de supposés spécialistes qui t'arrivent avec des patentes que tu sais pas d'où c'est que ça sort. Là. Les maisons, les super maisons de communication, lui, il connaissait pas non, ça. Non, c'est ça, il avait pas besoin de McKinsey pour lui dire quoi dire. Puis c'est ça, il mentionnait qu'à un moment donné, peut-être le premier ou le deuxième discours qu'il avait fait à l'Assemblée nationale, il avait un discours écrit. Après ça, il dit « Non, je n'ai pas besoin de ça. » Il préparait ses dossiers. C'est sûr, c'était un travaillant. Il préparait ses dossiers. Nous, quand on faisait une émission, il avait préparé ses dossiers. Si on lui envoyait des documents à consulter, on pouvait être sûr qu'il l'avait fait. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de prendre des notes. Ce qu'il avait lu ou ce qu'il avait... entendu, il l'avait retenu, puis il était capable de rendre ça d'un discours sans prompteur, puis sans ouais. note. C'est ça. Moi, je pense qu'Yvon Picotte est un genre de personne qui aurait pu être mon ami intime. Mm-hmm. Un maudit bon gars, là. Tu sais, un bon gars. Là. Quand on parle de bon gars, ben moi, je pense à Yvon Picotte. Tu sais, Jean Garon était un vulgarisateur, mais je ne sais pas si Jean Garon était près du peuple. Je n'ai pas connu assez Jean Garon. Oh, oui. Mais Yvon Picotte était un vulgarisateur et un gars proche du peuple. Et je pense qu'il aurait pu être un de mes amis. Puis je ne voudrais pas terminer ce segment sans oublier que Jean Garon s'est occupé aussi des plus démunis. Et s'est occupé aussi des gens qui étaient tu parles qui avaient un problème de dépendance. Tu parles d'Yvon Picotte, tu as dit Jean Garon. Ouais. Yvon Picotte. Excuse-moi, Yvon Picotte. Non, c'est ça. Yvon Picotte, oui. Bon, Yvon Picotte s'est occupé des plus démunis et aussi des gens qui avaient un problème de dépendance. Oui. Et ça, était président du conseil d'administration dans les maisons de thérapie. Et je pense que pour moi, qui a travaillé dans le milieu de la dépendance pendant une dizaine d'années de ma vie, ben ça, pour moi, c'est parce que ceux qui ont des problèmes de dépendance, des fois, c'est pas tout le temps drôle. Hein? On s'entend, là, c'est pas toujours le monde le plus... c'est pas les gens qui vont... disons, tu peux les ramasser dans la rue, tout croche, mais ben, Yvon Picotte, c'était quelqu'un qui était capable de ramasser quelqu'un tout croche dans la rue, puis de l'amener dans une maison de thérapie,
puis de le remonter, puis de le remettre, de donner des valeurs, ou bien là, de le remettre dans, je dirais, dans, non pas dans le droit chemin, parce que j'aime pas l'expression, mais de le remettre dans de l'aider à se redévelopper, à se mettre... À sa façon. Pense qu'au niveau de l'itinérance, au niveau des gens qui avaient des problèmes de dépendance, Yvon Picotte, c'est un des je pense qu'à mon avis, à un moment donné, il va avoir une maison de dépendance qui va être nommée à son nom. Je pense que ça vaudrait la peine, parce que il faut que son nom puisse perdurer dans le temps, parce qu'Yvon Picotte, c'était, pour moi, c'était un grand personnage. Et même, je le disais à mon père, hein, mon père était un organisateur politique, et je disais à mon père, je dis, lui, il aurait été bon au Parti québécois. Ça aurait été quelqu'un qui aurait, excusez l'expression anglaise, là, qui aurait fité au PQ. Mais il a choisi une autre voie, mais il y a quand même, dans la voie qu'il a choisie, il y a quand même... Parce qu'on sait que Robert Bourassa consultait une centaine de personnes au téléphone. Il appelait, puis ça, je l'ai de vive voix, il appelait Gilles Proulx. Il appelait dans beaucoup de sphères de la société, Robert Bourassa consultait. Et bien sûr, Yvon Picotte était de ceux-là. Et je pense que c'est parce que si Robert Bourassa voulait se faire une image du peuple québécois, une idée de la façon que les Québécois pensaient, bien, c'est avec des gens comme Yvon Picotte, surtout avec le monde rural. Et Yvon Picotte représentait bien cette tranche de société. Oui, puis c'est quelqu'un qui avait une croyance spirituelle, et puis c'est ça dans les derniers... en tout cas, moi personnellement, maintenant qu'il est décédé, c'est drôle à dire, mais je trouvais que c'était un chic type, là, puis un grand bonhomme, mais là, je pense qu'on... Son décès amène qu'on, pour ceux qui le connaissaient moins, on découvre le personnage, on découvre l'ampleur humaine colossale de d'Yvon Picotte. Éric, oui, parce qu'il n'a pas lâché au cours de sa vie. Là, où, il était président du groupe RCM à Yamachiche, là, où il y avait des handicapés qui travaillaient avec des programmes pour pouvoir les intégrer au travail. Tu sais, il n'a jamais arrêté de s'impliquer. C'est pas quelqu'un qui était du genre à lâcher la serviette. Là. Non, puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il était à Radio Infocité jusqu'au bout. Là. Ouais. Il avait quoi, 80, 81 ans, Yvon? Il est mort à 83 ans. Il était jusqu'à 82 ans, imaginez. Ouais, 82 ans, ça. Puis on faisait pas ça à 2h l'après-midi, là, nous, là, on fait ça à 21h le soir, jusqu'à 22h. Ouais. Donc, il était là parfois jusqu'à 22h, 22h15. Et puis, il n'était pas obligé, là, c'était pas payant. On ne le rémunérait pas pour faire ça. Là. Il était bénévole. Exactement, puis il n'avait pas besoin de visibilité pour sa carrière ou quoi que ce soit à cet âge-là. Là. Il faisait par pure générosité. Et je pense qu'il a marqué le passage à Radio Infocité, puis on va s'en souvenir longtemps d'Yvon Picotte. Fait que messieurs, je vous remercie beaucoup. Luc, avant de terminer, j'aimerais remercier Yvon Picotte, et puis je ne sais pas si sa famille va écouter ce segment, mais je tiens à remercier sa famille, et puis évidemment Yvon, pour tout le côté humain qu'il nous a apporté. Et bien sûr, nous, notre sport national, c'est la politique. Et Yvon nous a apporté des commentaires et son analyse. Et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et puis de transmettre ses voeux à sa famille. Merci, merci Yvon. Puis moi aussi, je veux transmettre ses voeux à sa famille. Puis, comme on dit, ça en est un vrai. Moi, on peut dire donner le goût de faire de la politique presque. Donner un sens à l'implication sociale. L'implication sociale, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que il y aura toujours une place à Radio Infocité, dans le cœur de Radio Infocité, pour Yvon Picotte. Un grand Québécois. Merci à vous deux. Oui. Merci. Oui, c'est ça. À Radio Infocité, il a marqué par son passage à Radio Infocité, et puis on en a parlé. On aimerait ça peut-être faire un montage des meilleurs extraits de
des commentaires d'Yvon Picotte à Radio Infocité. On pourra faire ça. Et c'est sûr qu'on va être présent. Il va y avoir des représentants de Radio Infocité aux funérailles qui vont avoir lieu samedi prochain, le 15 juin, à Louiseville, à Saint-Antoine-de-Padoue. Alors, on va être. Et c'est certaines représentants de Radio Infocité qui vont assister aux funérailles. Alors, ceux qui. Bon, j'imagine que vous pouvez trouver l'information. C'est à 15h. Ouais, 15h samedi à l'église Saint-Antoine-de-Padoue à Louisville. Alors, on va recevoir notre première personne là, qui l'a connue. C'est Mme Suzy Saint-Onge. Elle va nous expliquer un peu comment elle l'a connue. Et puis, elle a un petit texte à nous lire. Alors, est-ce qu'on peut faire monter Mme Saint-Onge? Oui, bonjour Mme Saint-Onge. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale sur Yvon Picotte. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement dans quelles circonstances vous avez connu Yvon? Pas trop longtemps, parce qu'on va en discuter avec les autres, là, mais avant de lire votre texte, pour qui? Comment vous avez connu Yvon? Bien d'abord, moi, j'ai été invitée à faire partie de son équipe à titre de présidente des jeunes libéraux du comté de Masquinongée. Et représentante régionale de la commission jeunesse du comté de Masquinongée et de Saint-Maurice également. OK. Donc, c'était en 85 à l'époque. Yvon traitait bien les jeunes à l'époque. Oh, absolument, absolument. Ouais. Un grand homme. Ce fut un grand privilège d'être à ses côtés là, et de faire partie de son équipe. Oui, parfait. Fait que j'imagine, après ça, vous l'avez suivi quand même d'assez près, là. Depuis oui. Cette première implication-là. Alors, vous avez, je ne sais pas, on pourrait procéder peut-être à la lecture. Vous avez un texte à nous lire, là, si vous sentez en verve de nous rendre ça. Et puis après ça, on invitera nos autres invités à se joindre à nous. Très bien. Alors, hommage à M. Yvon Picotte, membre de la famille de M. Picotte, chers amis. C'est un privilège pour moi aujourd'hui d'honorer la mémoire d'un grand homme politique, quelqu'un d'exceptionnel pour tous les concitoyens du comté de Masquinongée et de lui exprimer notre profonde gratitude. Par son implication politique, M. Picotte nous laisse un héritage de dévouement et de générosité qui continuera d'inspirer nos actions et guider notre chemin. Rassembleur, il a accompli de belles choses sur la scène politique. Son énergie contagieuse, sa détermination pour défendre ses idées, son aisance à rassembler les gens autour d'un but commun ont fait de lui un pilier incontournable au sein des décideurs. Homme d'action, il aimait faire une différence dans la vie des gens. De 1973 à 1994, autant comme député que ministre, il a consacré son talent au service des gens du comté de Masquinongée, parfois au prix de grands sacrifices personnels. Grand communicateur, combien de fois il a défendu ses dossiers avec fougue et ténacité à l'Assemblée nationale? Combien de fois il est monté au front pour défendre l'indéfendable? Ses adjoints politiques peuvent en témoigner. Par son engagement politique sur plus de deux décennies, M. Picotte est un modèle de don de soi, d'humanité et d'humilité. Par son expérience de vie, il inspire le respect et la confiance. Son apport dans la société est inestimable et nous lui vouons une très grande reconnaissance. Il représente l'âme et l'inspiration de toute une génération de politiciens au Québec. En 1985, il m'a fait confiance et m'a confié le mandat de mobiliser les jeunes du comté afin qu'ils soient bien représentés sur la scène politique provinciale. À ce moment, la Commission jeunesse comptait environ 23 000 membres de partout en province et ses congrès jeunes réunissaient des milliers de jeunes tous les ans. Le premier ministre du Québec en fonction, M. Robert Bourassa, était très fier de voir arriver notre délégation de jeunes à Montréal ou à Québec et avec discrétion, il s'empressait de relater à mon oreille les beaux voyages de pêche qu'il avait fait à Saint-Alexis-des-Monts. Dans les années 90, cette implication jeunesse s'est poursuivie sous la gouverne de M. Daniel Johnson, premier ministre du Québec à l'époque, qui, lui aussi, était d'un respect et d'une gentillesse inégalée envers les jeunes libéraux de notre comté. D'ailleurs, lors de ses tournées en région, il n'était pas rare d'être convoqué par l'entourage de ce dernier, ainsi que de celui de M. Picotte, afin d'aller lui serrer la pince lors de son passage et lui faire part de nos préoccupations.
à titre de présidente des Jeunes libéraux du comté de Masquinongé et représentante régionale de Masquinongé et Saint-Maurice de la Commission Jeunesse, je suis fière d'avoir eu la chance de côtoyer cet homme et d'avoir été témoin de son engagement sincère et dévoué auprès des gens de son comté. À travers ses actions et son humanisme, M. Picotte a transmis de belles valeurs aux jeunes de chez nous, mais surtout sa passion pour la politique et l'implication sociale. Il a démontré à plusieurs reprises qu'on ne doit pas avoir peur de l'adversité et que si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait, disait le grand politicien grec Périclès. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous avons collaboré ensemble à mettre en œuvre différentes activités pour les jeunes au sein de la communauté et discuter des orientations politiques favorables pour les jeunes. Il était toujours disponible et à l'écoute des besoins de ces jeunes libéraux. Avec son sens de l'humour, il prenait plaisir à se joindre à nous lors des différents événements et activités organisés dans son comté et à prendre la parole avec un langage coloré au grand plaisir des invités. Suite à son départ, nous constatons que M. Picotte a marqué notre vie de différentes façons. Son œuvre et son implication résonnent toujours dans le comté de Masquinongé. Il faut saluer tout le travail qu'il a accompli. Désormais, M. Picotte incarne dans notre région un personnage marquant, plus grand que nature. Ses multiples réalisations dans la collectivité laissent une trace importante pour nous et les générations futures. Cet homme tant apprécié demeurera dans nos mémoires et dans les livres d'histoire. Nous en conserverons de beaux souvenirs. Nous voulons offrir à sa famille et ses nombreux amis nos plus sincères condoléances. Merci, M. Picotte. Bon, mais merci, Mme Saint-Onge. Je retiens de votre exposé que Yvon Picotte avait une arme secrète que je viens d'apprendre. Son arme secrète, c'était la pêche à la truite, une arme politique imparable. Il pouvait rallier beaucoup de monde, j'imagine, avec cette arme secrète-là de la pêche à la truite à Saint-Alexis-des-Monts. Madame Saint-Onge, je vais vous demander de m'aider à présenter nos deux prochains invités. On sait qu'on a Yves Lévesque, qui est un ancien maire de la ville de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. C'est sûr. Et monsieur Plante, ben, je sais qu'il a été député. Ben, là c'est ça, je ne veux pas commettre d'impair. Monsieur Plante, il a bien été député de Masquinongé. Tout à fait. Et il était peut-être chef de... dans le cabinet de monsieur... est-ce qu'il était dans le cabinet de M. Picotte ou c'était plutôt de M. Diamond, ou je ne sais pas trop. Là. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces détails-là. Oui, mais M. Plante a été élu député. Alors, mais il a travaillé, bien sûr, en coulisses avec tous ces gens, ces belles personnes là, dans le comté de Masquinongé au préalable. Et oui. Par la suite, Marc a un excellent, beau cheminement. Et vous pourrez en discuter avec lui, mais il a un très, très beau parcours politique. Il a commencé tout jeune avec sa maman et ils se sont impliqués énormément dans le comté. Marc a gravi les échelons une étape à la fois. Oui. Et, bon, fait que c'est comme ça. Il a bien réussi. Il est devenu député de Masquinongé par la suite. Parfait. Bon, alors, ça veut dire que ça vaut la peine de faire monter ces deux invités-là. On va les faire monter du sous-sol. Bonjour, M. Plante. Bonjour, M. Lévesque. J'espère que votre séjour au sous-sol n'a pas été trop long, trop pénible. Alors, c'est ça. Je pense que vous connaissez bien. Je ne sais pas lequel de vous trois qui parle le plus. Mais celui qui parle le plus, normalement, on va le faire parler en dernier parce que les autres. Fait que ceux qui d'habitude parlent moins, allez-y. On parle toutes les deux beaucoup, je pense. Hein, Monsieur Lévesque, vous avez l'air de dire que vous êtes un timide qui parlait peu. Allez, on va commencer avec Monsieur Lévesque. Alors, premièrement, je voudrais vous féliciter de faire une émission à l'hommage d'Yvon. C'est quelqu'un qui a façonné vraiment le monde politique d'une façon exemplaire. Moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître comme politicien. J'ai eu la chance de le connaître comme personne, comme ami. Quand je suis rentré en politique en 1994, Yvon terminait sa carrière. Je me rappelle quand même d'une sortie avec Yvon. C'était à l'aréna de Trois-Rivières-Ouest. Et je faisais mes premières entrées en politique municipale. Et quand Yvon est rentré, il dégage une prestance incroyable. Et déjà, sans le connaître, j'étais attiré vers cet homme-là.
on dirait que c'est un aimant. C'est quelqu'un qui, on le voit immédiatement quand on le voit, on est attiré vers Yvon avec son sourire. Je voyais sa photo tout à l'heure, c'est vraiment Yvon, c'est son sourire vraiment incroyable. Et c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Puis après, j'ai eu des rencontres avec lui, des discussions au téléphone. C'est quelqu'un pour moi qui était un exemple à suivre. Quand les gens ont dit tantôt, c'était un vrai. Et les vrais, moi, ça m'attire. Des gens qui sont authentiques, des gens qui disent ce qu'ils pensent, malgré l'opinion des différentes personnes, malgré l'opinion d'un parti politique. Vous savez, quand on rentre dans un parti politique, il y a souvent des lignes de parti. Mais Yvon ne se gênait pas de sortir des lignes si ça ne faisait pas son affaire. Il était vraiment là pour la population. Et la population l'a démontré son amour à son égard par le fait qu'il était réélu et réélu à chaque occasion, à chaque fois. Et quand on est près des gens, qu'on s'occupe des gens, mais les gens nous font confiance. Et je tiens à dire que notre exemple que j'aime d'Yvon, c'est quelqu'un qui était capable de vulgariser, d'expliquer les dossiers à la population pour qu'ils les comprennent. Souvent, les politiciens parlent avec un langage, comme on dirait, universitaire ou avec des grands mots, mais les gens ne comprennent pas tout le temps. Alors, Yvon était capable de, peu importe le niveau que vous étiez dans la population, il ajustait son discours pour que les gens comprennent vers où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait faire. Et c'est ça que les gens admiraient d'Yvon. On peut dire qu'Yvon, justement, c'est pas quelqu'un qui manquait d'éducation, mais c'est quelqu'un qui écrasait pas les autres avec son éducation et qui se mettait facilement au niveau du peuple, même si lui-même avait fait des études universitaires. Mais il y en a beaucoup là, qui, parce qu'ils ont fait des études universitaires, bien, se positionnent un peu au-dessus de leur commettant. Monsieur Plante, c'est quoi vos réactions? Ben, écoutez, moi, Yvon, je le connais depuis que je suis né. Je vais vous avouer que j'ai tombé... dans la sauce dès mon tout jeune âge. Donc, j'ai 42 ans, je vais avoir 43 ans. Donc, vous n'êtes pas impartial, c'est ça. Là, vous annoncez déjà vos couleurs, vous êtes un peu biaisé. Ben, allez-y quand même, on va vous laisser parler quand même. Je suis un peu biaisé. Non, mais écoutez, je viens d'une famille de militants libéraux convaincus. Puis, quand j'avais 4 ans, là, les sorties de famille préférées, c'était de suivre les activités politiques de Yvon partout dans le comté. Donc, moi, un peu comme Yves, moi, je l'ai vu faire de la politique. Malheureusement, en 94, j'avais 13 ans quand il a quitté la politique. 20 ans plus tard, j'ai eu le privilège de le succéder dans sa chaise de député de Masquinongé. Et je vais vous avouer que c'est un modèle politique. Mais ce qui est le plus beau, et Yves l'a dit, Yvon avait toujours cette facilité-là à s'adapter au discours de peu importe à qui il parlait, que ce soit le plus haut dirigeant de compagnie ou la personne qu'il rencontrait dans la rue qui avait besoin de lui. Yvon répondait toujours présent. Sa porte ouverte, il a fait du bureau de comté chez eux samedi matin, des longues années, là, en robe de chambre, il recevait les gens, les citoyens. Mais ce qui est le plus beau, c'est qu'au moment où tout le monde, plusieurs d'entre nous, quand on quitte la politique, ferment la porte, prennent leur retraite puis sortir dans leur quartier, lui, il a décidé de continuer puis de répondre présent pour la population. Vos collègues, tantôt, l'ont mentionné, mais on peut parler du pavillon du nouveau point de vue où Yvon, lui-même, après avoir un problème d'alcool, a décidé de se réinvestir dans la société, d'aider les gens qui vivaient avec un problème. Le groupe RCM, ils l'ont mentionné, mais moi, je peux vous dire, Yvon s'est battu corps et âme. C'était pas des dossiers faciles, là. C'était loin d'être des dossiers faciles. Il aurait pu être à sa retraite bien assis, aller en Floride 6 mois par année, mais il décidait de continuer d'aider. On peut parler du club Richelieu, des chevaliers de Colomb, la fabrique, vous l'avez dit, Yvon était un homme très croyant. Et, première fois, je n'ai pas cette qualité-là qui revient de M. Picotte, mais je l'ai croisé dans une activité où c'est lui qui disait le sermon en avant. Et par ses mots simples, ses mots près des gens, par sa grande croyance, réussissait à accrocher ceux qui ont besoin d'avoir quelque chose pour les guider. Et ça, c'est très, très bien. Puis je vais terminer en vous parlant de son implication au Festival de la Galette. Vous savez, un petit milieu comme Louisville, le Festival de la Galette a un impact économique important. Pas juste pour le plaisir, pas juste pour la galette, mais pour toutes les entreprises du comté et pour les plus de 100 000 personnes qui viennent annuellement ici pour voir le Festival de la Galette. Je suis convaincu aujourd'hui, puis je ferais dire, s'Yvon aurait été à la barre du festival pendant plus de 10 ans, on n'aurait plus de festival à Louisville, on n'aurait plus de gens et on n'aurait plus cette activité économique-là. Puis ce qui était beau à voir, c'est un homme à l'époque, il avait plus de 70 ans, jusqu'à 1h du matin, aller ramasser les recettes des kiosques, aller ramasser les billets de spectacle, préparer ça pour le lendemain, puis il ne faisait pas, vous l'avez bien dit tantôt, là, ni pour la notoriété, ni pour sa carrière, ni pour... Il faisait pour les gens, pour son milieu. Alors, Yvon, c'est quelqu'un dévoué, quelqu'un d'accessible. Puis, tantôt, vous avez dit un grand Québécois, mais c'est un très, très grand Louisvillois. Tout le long de sa carrière, ce qui l'a mené,
c'est que c'est un petit gars de Louisville. Puis il en était fier, il en était content. C'était le petit gars de Jean-Marie Picotte, ici, sur le coin de Notre-Dame puis de Saint-Laurent. Puis il en a toujours été fier et il a toujours bien défendu avec ardeur ses racines louisvilloises. Un homme avec des racines puis un exemple d'implication sociale. Madame Saint-Onge, que Monsieur Plante nous disait que comme les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des héros, ce soit les Pokémon ou les pattes patrouilles, je sais pas quoi, mais à l'époque, M. Plante avait Yvon Picotte comme héros. Et alors vous, est-ce que c'était votre héros quand vous étiez jeune? Oh bon, c'est une blague. Mais parlez-nous d'Yvon Picotte. Oui, bien oui, c'était un grand homme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Plusieurs de mes collègues l'ont dit aussi. Évidemment, moi, c'était plutôt sous l'angle des jeunes libéraux que j'ai côtoyé M. Picotte. Et, lui, avait quel âge à l'époque, pour nous situer un peu, là? Quand vous avez été jeune libéral, lui, il était encore actif, là, ça fait quelques années. Oui, moi, j'avais à peine 16 ans, là, à l'époque, et... c'était l'âge d'or de la commission jeunesse du Parti libéral. Oui, oui, oui. C'était 26 000 membres. À chaque année, on se rencontrait dans les congrès jeunes. Oui, à l'époque de Robert Bourassa, où le Parti libéral a eu son apogée au Québec, on Absolument. Peut dire. Là. Peut-être Absolument. Même, peut-être encore plus que dans le temps de Jean Lesage et de René Lévesque. Là. Peut-être que le Parti libéral était encore plus populaire sous Robert Bourassa. Là. Robert Bourassa et M. Johnson par la suite. Oui. Écoutez, c'était... et il y avait des débats intéressants au sein de la Commission jeunesse. Là. On parlait de fiscalité, on parlait de constitution. Il y avait des grands sujets de l'heure. C'était très, très agréable. Et écoutez, c'était une mobilisation... assez incroyable de mobiliser des milliers de jeunes chaque année en plein été pour parler fiscalité. Là, je vous dis que il y avait une organisation incroyable au Parti libéral du Québec. Il faut dire que c'était avant l'avènement de Netflix. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de rien faire de ça. Ils sont bon branchés sur Netflix. Ils ont une bonne excuse. Les temps changent, évidemment. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, bien, on est à l'ère... comme vous savez, hein, de Zoom et Internet, oui. Le monde virtuel et tout ça. Donc oui, il faut s'adapter, mais je crois que les gens ont quand même un intérêt pour la politique aujourd'hui. C'est différent, mais ils ont toujours la fibre politique, ça c'est certain. Oui, oui. Oui, c'est ça, mais je pense qu'ils vont... en tout cas, nous, moi, j'étais d'un autre, j'étais pas dans la famille libérale du tout. Quand on était jeune, on était bon, plus à gauche, plus indépendantiste. Et puis, moi, je viens de la Mauricie, donc Yvon, on savait, on connaissait sa présence. On savait qu'il y avait un monument qui nous était adversaire. Pas qu'on l'aimait pas, mais je veux dire, on aurait aimé mieux qu'il soit de notre bord. On savait qu'il était indélogeable dans Masquinongé. Ça nous tracassait un peu. Et c'était une époque, c'est ça, puis à Radio Infocité, je pense que je vous ai expliqué un peu à tout le monde, à tous vous autres, c'est que là, 10 ans, quand c'était fondé, Radio Infocité, c'était un peu des gens du Parti québécois, des indépendantistes. Et en 10 ans, on a évolué les visions qui étaient les visions du Parti libéral, même Yvon Picotte, je pense qu'il y avait un des deux référendums qui avait voté oui, ou je ne sais pas trop, mais ça n'a pas d'importance, mais ça reste qu'aujourd'hui, comme moi personnellement, je n'étais pas un partisan des libéraux, mais on était des fervents partisans d'un référendum, et puis Parizeau, moi j'étais content qu'ils veulent faire un nouveau référendum. Aujourd'hui, on a complètement changé notre fusil d'épaule. Aujourd'hui, on se rend compte que le référendum menait nulle part et que c'était pas nécessaire et ça n'a rien apporté. Et même si ça avait été gagnant, ça nous aurait rien apporté. Alors, c'est la prise de conscience qu'on a pris le temps de faire. Et tous les souverainistes aujourd'hui, ben, nous, depuis un an, on est une radio que, comme je vous dis, les racines sont plus indépendantistes. On a appris à connaître Yvon Picotte. Et c'est arrivé à l'époque où, justement, on remet en question les orientations
référendiste. Et puis, ça veut dire que les gens que, quand j'étais jeune, les gens qu'on trouvait qui étaient complètement dans le champ de ne pas vouloir un référendum ou tout ça, bien aujourd'hui, on se rend compte que c'était peut-être eux autres qui avaient raison et que nous, c'est nous autres qui étaient enflammés par comment on appelle ça, du marxisme idéologique, je ne sais pas trop. En tout cas, on a été victimes de ça, mais ça se guérit. Le marxisme idéologique, là, on voit aux jeunes, les jeunes wokistes aujourd'hui, c'est du marxisme idéologique. Heureusement, bonne nouvelle, ça finit par se guérir. J'en suis l'exemple. Vous savez, M. Paquin, si vous me permettez de vous couper, ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'on est dans un pays qui nous permet d'en discuter, d'avoir des opinions différentes. Oui. Et demain matin, on va tous être encore assis sur notre fauteuil sans se faire arrêter de parler puis sans aller en prison. Oui. Ça, il faut en profiter. Puis c'est ce qu'il y a de beau dans la politique, c'est qu'on peut avoir toute une opinion différente et on a le droit de débattre contre des idées, mais jamais débattre contre les gens. Puis si on en revient à Yvon, Yvon, c'était sa grande force. Il débattait contre des idées, souvent avec une grande véracité, des propos assez colorés, mais jamais qui attaquait personnellement les gens. Et c'est ça qui fait la différence d'un grand politicien, puis surtout d'une grande personne comparé à quelqu'un qui fait de la politique par notoriété. Ça, c'est la grosse, grosse différence. Oui. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup, je trouve, les médias cherchent à créer la confrontation. Autrement dit, on dirait que les médias veulent du sang. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On dirait que les médias veulent qu'on soit deux camps, qu'on se déteste. Parce que, en tout cas, les wokistes d'aujourd'hui, je peux vous dire que moi, quand j'étais jeune, j'étais un marxiste idéologique. Les wokistes aujourd'hui, c'est des marxistes idéologiques. Et je les regarde aller, puis je me dis, ils sont beaucoup plus hargneux et violents que nous autres, on pouvait l'être. Nous autres, on était peut-être violents en parole, mais on était dans le flower power, là. Mais eux autres ne sont pas dans le flower power, là. Puis ils tolèrent très mal les opinions divergentes. Mais heureusement, comme j'ai dit tantôt, ça va se guérir. Je ne sais pas quel de vous, M. Lévesque, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose à... Bien, je voudrais dire que Yvon, il était tellement crédible, même par son parti, mais il était très, très respecté par les membres des autres partis. C'est quelqu'un qui était aimé, peu importe la couleur du parti que vous représentiez. Yvon était respecté et aimé parce qu'il donnait leur juste puis il écoutait les gens. Alors, même les gens de le parti d'opposition, s'il y avait des bonnes idées, il les prenait en considération. Alors, c'était un grand homme à tous les niveaux. Au niveau humain, au niveau de la simplicité, c'est quelqu'un qui était très humble, qui n'était pas, même s'il était ministre, souvent les ministres marchent la tête haute, mais Yvon restait les deux pieds sur terre. Et pour moi, c'est un mentor incroyable et c'est un modèle à suivre. Et les politiciens comme Yvon, il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça que quand vous mentionnez ça, je me dis, c'est le genre de qualité que ça prendrait normalement pour un premier ministre, quelqu'un qui est capable de parler au-delà des controverses. Et Yvon avait un côté humain tellement fort que même ses adversaires se sentait pas méprisé, même s'il pouvait les attaquer parfois, il se sentait pas méprisé. Moi, je me dis, à l'époque, on considérait pas, je sais pas, là, l'image qu'on avait, Yvon Picotte, c'est un bon garçon, tout ça, là, et populaire, peut-être même, on disait peut-être populiste, mais on n'imaginait pas l'envergure du personnage, parce qu'aujourd'hui, quand on réalise l'envergure du personnage, on se dit, ça aurait fait un bon premier ministre. En tout cas, moi c'est la conclusion que j'en ai, alors que ce n'était pas l'image et les journaux, que ce soit les journaux plus intellectuels comme Le Devoir ou même la presse en général, n'ont jamais présenté Yvon Picotte comme un politicien, je veux dire, d'envergure, mais en réalité, le peuple a reconnu en lui un politicien solide. Puis aujourd'hui, quand on réfléchit, comme je vous dis, moi, je l'ai connu un peu en faisant de la radio avec lui, là. Je me dis, si on avait eu la chance d'avoir un homme comme ça, comme premier ministre ou chef du Parti libéral, je pense qu'il aurait été aussi populaire à l'échelle du Québec qu'il l'a été dans son comté de Masquinongé. Madame Saint-Onge. Oui, absolument. Et puis, je suis d'accord avec vous. Il faut aussi regarder le contexte international aussi dans lequel on est aujourd'hui. Monsieur Picotte aurait sûrement été un atout pour tout gouvernement pour consolider la paix dans le monde. C'est impératif d'avoir des approches inclusives, des approches, des ouvertures d'esprit. Ça prend de grandes qualités pour être un chef de parti.
Ça, c'est indéniable. Et je crois que M. Picotte aurait été un candidat potentiel, évidemment. Oui, c'est ça. On va éviter de parler de l'actualité politique. Là, c'est sûr qu'il y a une course à chefferie au Parti libéral. Bon, on vous réinvitera pour parler de ça, mais je ne veux pas mêler ça. Malheureusement, Yvon Picotte n'était pas candidat à la course à chefferie du Parti libéral. Donc, on va garder ce sujet-là pour une autre émission. Monsieur Plante. Oui, bien, juste vous dire, tantôt, votre collègue a parlé quand il était ministre de l'Agriculture. Yvon, pour être sûr d'avoir le pouls du terrain, avait passé un été complet à faire le tour de toutes les productions agricoles, que ce soit laitière, porcine, les grandes cultures, tout ça, pour comprendre. Puis il dit, c'est pas vrai que les gens vont me donner un discours puis ils vont me dire, dis ça, si je comprends pas, c'est quoi. Mm-hmm. Puis il allait au fond des choses en comprenant vraiment ses citoyens, c'était quoi l'impact sur eux, c'était quoi l'impact sur moi, c'était quoi faire un train, tout simplement, là, au-delà d'en parler, c'est quoi le vivre, c'est quoi l'horaire des agriculteurs. Yvon avait ça, quand vous l'avez comparé à M. Garon tantôt, bien, effectivement, tu sais, je pense que c'est les deux grands ministres de l'Agriculture qu'on a eu au Québec. Et pour être un grand politicien ou un grand ministre dans son ministère, il faut connaître de quoi qu'on parle, parce que sinon, on devient juste un porte-parole des différents fonctionnaires en dessous de nous. C'est ce que Yvon était le porte-parole des citoyens à Québec et non le porte-parole de Québec dans son comté, ce qui est la grosse, grosse différence. Oui, on le sait, parce que quand quelqu'un est nommé ministre, bon, on l'enterre, on rentre dans son bureau avec des caisses de documents qu'il doit lire, puis on lui dit, sous ces documents-là, ça lui dit que ça, tout fonctionne très bien, que les gens qui se plaignent, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Fait que c'est toujours ça que ça dit, les rapports gouvernementaux, et je pense qu'ils vont... C'est un travaillant, et que je l'ai mentionné, quand on a travaillé avec lui, on s'apercevait, là, on parlait de... Des fois, on avait un sujet à aborder, puis on savait que Yvon, peut-être, il n'était pas au fait de ce sujet-là. Je disais, Yvon, regarde donc telle vidéo. Et là, après ça, quand on parlait du sujet, là, il était comme un gars qui était à flux d'actualité. Parce qu'il avait fait le travail et il avait intégré très bien la matière. Est-ce qu'il y en a un de vous qui pourrait me dire, quelqu'un qui disait, ben, un des animateurs disait qu'il était, il a occupé 5 ministères différents. Est-ce qu'il y en a un de vous qui sait les ministères, Monsieur Plante, oui? Vous savez les 5 ministères? Loisirs, chasse et pêche, affaires municipales, tourisme, agriculture, puis il m'en manque un. Je t'assure, je les avais toutes les 5, mais il m'en manque un. Mais région, je crois. Quelque chose comme ça. Oui. Mais quand même, on l'a tenu loin des gros ministères économiques où peut-être qu'il y aurait eu peut-être trop l'occasion de faire du ménage. Je ne sais pas. Là, ça, ce n'est pas une rumeur que je veux lancer. Là, c'est l'impression qu'on peut avoir. Malgré que les affaires municipales, l'agriculture, c'est des ministères importants, mais je veux dire que si on parle aux ministères qui ont des gros budgets, comme je sais pas, l'éducation, la santé, les transports, peut-être qu'il aurait fait des vagues dans ces ministères-là parce que ce n'était pas un homme qui était facile à contrôler. Bien, écoutez, c'est pas nécessairement tenir loin ou un manque de confiance. Je pense qu'il incarnait totalement l'homme des régions, l'homme des milieux ruraux. Oui. Puis, vous l'avez bien mentionné tantôt, il y a toujours le casting que les médias ou les gens veulent bien nous donner. Fait qu'il faut un moment donné, quand le casting nous colle bien à la peau, mais on est prêt avec toute notre carrière. Oui. Mais Yvon aurait eu des compétences de l'ensemble des ministères. Puis je pense qu'il aurait été, il aurait agi comme il a toujours agi dans sa vie avec transparence, honnêteté, puis la plus grande des simplicités en pensant aux citoyens avant de penser à autre chose. Oui, mais c'est comme Jean Garon qui était diplômé en droit, diplômé en économie, et puis parce qu'il était populaire puis s'occupait de l'agriculture, on le faisait passer pour. Je ne sais pas trop, là, je ne veux pas reprendre des qualificatifs, là, mais il n'y avait pas les crédibilités qu'il aurait dû avoir. C'était la même chose pour Yvon. Mais je pense qu'à titre posthume, son image va. Moi, j'ai l'impression que son image va prendre l'ampleur. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, puis c'est ce qu'on a l'impression qui risque d'arriver. Est-ce que, bon, je ne sais pas qui a quelque chose à M. Plante, peut-être, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner? Ou... Bien,
Écoutez, on peut, tu sais, vous parler de l'image. Moi, je crois qu'Yvon a eu une image politique d'homme politique coloré et de terrain. Ça, c'est la première des affaires. Mais tout l'envers de la médaille est son après-politique, de comment il a choisi de continuer à s'impliquer, de comment il a choisi à continuer de servir les citoyens. Puis, tu sais, c'est pas des causes banales. Là. Vivons du nouveau point de vue. Puis, on peut parler du gros groupe RCM longtemps. Yves, ici, il est au courant, là, mais je me racontais une anecdote comme ça. À l'époque, j'étais député, puis Yvon m'appelle, puis il dit, marche, je suis à la porte en arrière, je suis en train de fumer mon cigare, parce qu'Yvon, à l'époque, fumait. Il dit, je suis en train de fumer mon cigare, il dit, viens donc me rejoindre dehors, il dit, j'ai affaire à toi. Fait que je dis, ben oui, Yvon, je sors, donne-moi 5 minutes, je finis mon appel, puis je m'en viens. Fait que je finis mon appel, je sors dehors, puis il me dit, Marc, on a un problème, on est trop propre. Puis là, je comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire. Je dis, voyons donc, Yvon, de quoi tu parles? Il dit, écoute, il dit, les citoyens sont tellement propres que vu qu'on récupère du plastique, de bouteilles de savon, de etc., etc., ça fait qu'il y a trop d'antibactériens, puis ça crée un problème aux étangs aérés. Puis là, ils disent, on va avoir un problème, on va fermer l'usine, puis il faut que tu comprennes, ça marche pas. Viens nous voir avec les fonctionnaires à telle heure, vendredi. Bien, j'écoute, pas de problème, j'organise ça, Yvon va être là. Quand on est arrivé, j'étais avec 4 fonctionnaires de 4 ministères, il y avait le maire, il y avait mon équipe. Yvon, il dit, assieds-toi, Marc, là. Ils vont te parler. Ça, c'était les employés qui ont des limitations fonctionnelles. Et ils m'ont tous compté leur vie. Que leur vie, dans le fond, eux autres, pendant que nous autres, on se plaint des fois le matin, on a mal à la tête, ça ne tente pas d'aller travailler, tatata. Eux autres, ils m'ont dit, si on arrête, là, on n'a plus de vie, on n'a plus d'amis. Il y en a une, en plus, elle était tombée en amour, elle avait un nouveau conjoint qui travaillait avec elle. C'était l'histoire de sa vie. Et que s'il n'y avait plus d'emploi, il n'y aurait plus de but dans la vie. Puis quand ils ont fini de parler, Yvon s'est levé avec toute sa prestance. Il dit, bon, ben là, il dit, faut que vous réglez ça, là, ça. On ne peut pas les laisser mal pris dans la vie. Mais quand on est parti de là, là, on est parti convaincu du discours d'Yvon, mais il y avait convaincu 6 soldats, moi, mon équipe, les fonctionnaires, pour défendre le dossier. Et ça, là, c'était la force d'Yvon dans tout ce qu'il faisait. Il savait défendre les choses, mais il savait surtout convaincre les gens. Après ça, il en faisait des alliés tellement forts qu'il restait fidèle le restant de le jour. Là. Tu sais, je pourrais vous en compter des heures et des heures. Yvon, Festival de la Galette, Yvon, il avait beaucoup de qualités, sauf planter des clous, monter des chapiteaux, c'était pas du tout sa force. Mais il réussissait à aller chercher des gens manuels, qui y croyaient, qui pouvaient le faire avec lui ou pour lui, pour le festival, mais il les convainquait tellement que c'est ces gens-là qui devenaient les plus grands défenseurs du festival à ses côtés. Fait être un rassembleur, être quelqu'un qui sait convaincre les gens, je pense que c'est là tout le succès de la carrière d'Yvon. Oui, puis ça va prendre des Yvon Picotte, ça va en prendre, parce que là, actuellement, on a l'impression que la philosophie que vous énoncez là, que de faut aider les plus démunis, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est complètement à l'opposé de ça. On a l'impression, j'accuse aucun parti, là. Je pense que tout le monde qui peut mettre le chapeau, qu'il le mette, mais je veux dire que moi, j'entends parler, comme là, je vis dans le centre-ville de Québec, moi, on me dit qu'on a fermé 2 étages des hôpitaux, de l'hôpital psychiatrique de Québec, et on retrouve des gens, parce qu'avant, on avait des itinérants pour des raisons de drogue, d'alcool. Bon, c'est ça, c'est des gens qui ont fait un peu un choix. Mais là, présentement, on a des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui se retrouvent à dormir dans les rues en hiver. Je ne pense pas que c'est le genre de société qui y vont, parce que de ce que vous m'expliquez, là, lui, il accordait une valeur à dire, là, il y a des gens parmi les plus démunis de la société, qui sont en besoin, en difficulté, et c'est notre devoir comme société d'aider ces gens-là. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que, je nomme personne, mais on a l'impression qu'il y a des fonctionnaires quelque part, là, qui pour eux, c'est une idée de génie de couper des services aux plus démunis pour engraisser, et là, je ne veux pas scandaliser personne, mais pour engraisser les coffres de l'État et qui vont avoir des galons, des promotions parce qu'ils ont fermé 2 étages de l'hôpital psychiatrique. Alors, j'espère qu'ils vont, de là où il est, de où ils entendent, j'espère qu'ils vont continuer à inspirer les fonctionnaires comme il a pu le faire de son vivant.
Et en attendant, M. Paquet, on a tous un devoir aussi à jouer, ça, je vais vous dire. Moi, je fais plus de politique depuis 2 ans. J'ai pas de problème à vous dire ça. Moi, je suis chez Centraide maintenant. Mais on a tous un devoir à jouer là-dedans. Puis il faut pas non plus se fermer les yeux parce qu'on a tous une chance, vous, Yves, Suzy, moi, de devenir une journée vulnérable puis de passer juste la ligne du point de non-retour qui va faire qu'on va tomber dans la vulnérabilité. Oui, il y a les gens qui partent déjà dans la vulnérabilité, qui n'ont pas gagné la loterie de la naissance. Moi, j'appelle ça la loterie de la naissance. Mm-hmm. Est-ce que demain matin, on se fermerait tous les yeux pour changer nos parents, la situation familiale, puis où on est né? Je ne suis pas convaincu qu'on serait tous gagnants en faisant ce tirage-là une deuxième fois. Et après ça, dans notre vie, on peut tous avoir des épreuves qui vont nous emmener d'un côté de la ligne plus vulnérable que de l'autre côté. Mais oui, il y a le pouvoir de l'État. Je me fie aux gens des médias pour dénoncer les choses, comme vous venez de mentionner, que je ne commenterai pas parce que je ne suis pas au courant. Mais aussi, on a un devoir collectif comme citoyen de soit s'impliquer auprès des organismes, soit au moins de faire un don, pas pour avoir la conscience tranquille, mais quand on a les moyens de donner, on est capable de donner. Mais c'est notre pouvoir collectif, notre devoir collectif de prendre soin de son prochain parce que cette personne-là, ça peut être votre frère, votre sœur ou vos enfants un jour. C'est des valeurs fondamentales, surtout dans un pays froid comme nous. Là, ça prend une solidarité qui est logique, qui est naturelle. Et quand on abandonne ça, ça devient un désert moral et qui est extrêmement déprimant. Et, en tout cas, c'est ma petite réaction. Madame Saint-Onge. Bien, moi, j'aimerais... finalement conclure sur le fait que M. Picotte nous laisse un legs incroyable, particulièrement chez les jeunes ici en région. C'est important, comme Marc disait tout à l'heure, que les jeunes et les moins jeunes aussi s'impliquent en politique parce que les citoyens ont une responsabilité également. Donc, c'est pas toujours au ministre ou au premier ministre de prendre les initiatives, mais il y a aussi les citoyens, c'est très important. L'implication sociale, c'est très important. Et je pense que ça, c'est un grand legs de M. Picotte. Et on doit être fiers de tout ça et le remercier profondément. Oui, c'est ça. On va faire un dernier tour. Oui, puis c'est sûr que les gens, là, c'est ce qu'on dit, nous, en tout cas, moi, quand j'interviens à Radio Infocité, là, c'est plus suffisant de voter une fois tous les 4 ans puis de penser que tout va bien aller, là, et, ou de rester chez soi puis de faire des likes sur des vidéos YouTube là, ou sur des idées qui nous conviennent. Là. À un moment donné, il faut faire plus que ça et il faut que les gens s'impliquent. Monsieur Lévesque, dernière chance de vous exprimer. Ben, je voudrais dire premièrement, encore une fois, merci de faire une émission pour rendre hommage à un grand homme, puis Yvon Picotte, un homme simple, humble, qui a fait beaucoup pour la région, beaucoup pour le Québec. C'est quelqu'un, encore une fois, je pense que des politiciens comme celui-là, il y en a de moins en moins. C'est un vrai, hein, souvent, Yvon ne disait pas ce que tu voulais entendre, il disait les vraies affaires en fonction de ce qu'il avait, comme c'était quelqu'un qui s'informait beaucoup, qui regardait ce qui se passait et qui arrivait avec des solutions. C'était un provocateur de changement. Les façons de faire étaient la façon, on fait des choses normalement souvent pareilles, mais Yvon, c'était le gars qui, c'était pas correct, on change les façons de faire. Souvent dans un gouvernement, c'est pas évident changer les façons de faire, mais Yvon changeait les façons de faire pour vraiment atteindre l'objectif de bien servir le contribuable. Alors, merci beaucoup, puis je voudrais prendre le temps aussi de mes condoléances et mes sympathies à sa famille. Il y avait une grande admiration aussi pour son garçon, il m'en parlait régulièrement. Je pense qu'il était avocat à Marc, hein? Le garçon à Yvon, hein? Oui. OK. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si le son est bon, mais de mon côté à moi, ce n'était pas toujours efficace. Oui, mais c'est ben, ça. Chapeau à tout le monde, puis chapeau Yvon. Oui, parce que de toute façon, le son, on va essayer d'arranger ça à la régie. En conclusion, M. Plante. Bien, écoutez, en conclusion, bien, moi aussi, à mon tour, de vous remercier de faire cet hommage-là à notre ami Yvon. Vous dire que Yvon, en plus de tout son legs politique et communautaire, c'est aussi un legs d'espoir que dans la vie, quand ça va mal ou quand tu as des épreuves, ça peut toujours aller mieux. Yvon a commencé sa carrière politique par une défaite, a fini par gagner, a combattu son alcoolisme, a passé à travers, a été nommé ministre et par la suite a décidé de s'impliquer puis changer la vie des gens jusqu'à 83 ans. Donc, quand on se dit que ça va plus mal ou qu'on a des épreuves, on doit penser à Yvon puis se dire qu'on est capable puis que ces épreuves-là nous emmènent puis nous font venir encore plus fort. En terminant, mais c'est sûr que moi aussi, ma pensée sont avec ses 2 enfants, Marie-Hélène, Marc-Antoine, sa petite-fille Juliette, sa conjointe Chantal,
Donc, toutes mes condoléances, puis à nous de faire perdurer la mémoire de Yvon. Oui, alors merci à vous trois. Vous pouvez rester un petit peu dans les coulisses après l'émission. Et puis là, c'est ça, je veux juste mentionner qu'effectivement, les funérailles d'Yvon vont avoir lieu là, dans 2 jours, samedi le 15 à 15h à l'église Saint-Antoine de Padoue à Louisville. Alors, merci tout le monde, puis on salue Yvon, là, comme j'ai dit tantôt. Là, Yvon a été échangé dans les ligues majeures. C'est ça qui est arrivé. Alors, merci tout le monde, et puis au plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci. Merci à vous, M. Paquin. Merci.